I'd just like to welcome everybody back to the next session this morning, which is around the technology trends of poor community systems. So I'd just like to welcome our speakers onto stage, Javier Gallardo, Dominique Le Breton, Anna Navarro, and Philippe Guillemont. Thank you. So firstly, thanks very much to Portnet for arranging the conference and inviting all the speakers to speak. And I'd just like to introduce our first speaker, which is Javier Gallardo from Portec in Barcelona, and he's also the Vice Chair of IPSCA. He'll be talking around developing PCS in a fast-moving technology world. Thank you. David, hello everyone. Okay, hello again. For me, it's a pleasure to stay here and to talk in front of this great audience. I'm going to talk about how hard and how challenging it is to develop a PCS for everybody. Not only for the new PCSs that are currently developing, in a developing process, and also for the, let's say, for the old ones, for those PCSs that have already settled. I know that this is a big talk, but I'm going to focus on technology. I suppose I was going to talk about top topics, but I'm going to be shorter, and I'm going to talk about technology and how the new technology can affect to our business nowadays. Well, let's talk about the PCS architecture model. Nowadays, most of our PCS is using the hub-spoke concept. Your basic is a centralized infrastructure where all the stakeholders connect to us and they are sending messages. Basically, we have a big databases where all the data is stored and we keep the state of the process every time. So our customers send messages, we store and forward to another actors. But what about in the future? In the future, we can think in another way. We can think on distributed services. We don't need to keep all the data in our databases. We need to know where is the data, how to fetch it, and how to share it. That is the key. And also, that gives us the more flexibility and is more robust and avoids the security aspects of the hub and spoke. Basically, I'm talking about the single point of failure, or also to keep all the data in the same places where it's more easy to attack and to forge. So basically, the PCS, we can think as a PCS as a set of services, a set of distributed services, where there is no data, we have APIs, the standard APIs, where the application can use these standard APIs to send the message or to grab the message, to store the message, and the PCS services. These distributed services, we can think on discovery services. Where is the services? We can think on transformation services. We can think on audited services, a group of services that help on the trade facilitation itself. So basically, the concept of to be a database can be changed to a broker instead, or an orchestration. Where is the information? So this is, I think, it's going to be a big change in the future. Also, the concept of the message can be changed to the API. No more thing to send a copy of a message to another copy. Think on the real time thing to access the data in real time. So this is key for the API concept. Another important point is open data. In the past, we have our data stored in our database that service our application. But we have to think in open data. We may open this data to other server providers, to other companies that can create real application and offer to our poor community. So we have to think in the concept of open data and not to the private data. So this can be a change if we are thinking on the PCS architecture model. And of course, we can also think on, let's see.
blockchain. Where we can use the blockchain? Blockchain is a great technology, but we have to be sure where we have to apply. In our association, we are thinking to apply blockchains in a specific business case where it really makes sense in our opinion. For instance, in that case where it's need to share information or interchange information between members of different port community systems. So basically one PCS connecting to another PCS in a very specific process that it really makes sense, where the value for money makes sense. In that case, we are working in initiative of the bill of lading. So this is one of the initiatives that we are currently working with. And this is a place where we think that it's suitable to use the blockchain technology. So talking about technology, I put in that slide from the left and right, what is the current technology or the current or old technology and the new, the next wave or the next wave of technology. Most of our PCS, we have our infrastructure in our premises. Now, we have the option to move to the cloud. The cloud is not only a place where we can put the machines there and that's it. They have a lot of implications from the business perspective, from the data security, from the access, and also for development and design. It's not the same to develop thinking that we are going to keep our data in our machines or that we are going to put the data in the cloud where every single movement of the data is going to cost money. We are basing our database on structured data in the most of the thinking on databases, but now we have to think in any kind of data, big volumes of data in any kind of structure. So we are going to handle a lot of more information, thinking on the distributed model of computation like using Hadoop and other technology. We have passed that our users working on the offices are using the web or using desktop application, and now our users can access to our PCS anywhere, anytime. So mobility is another key and another important feature that we have to handle from the very beginning right now when we are thinking on the new PCSs. As I said, we have been working for a long time from relational databases, but now we have other options, very more scalable, like document databases or graph databases that can manage more volumes of information. It's also a change of the mindset. It's not the same to think on the relational than think on document. So this is also have impacts on the development. Of course, it also changes the way how we are making programs. Basically, most of our PCSs have been developed using imperative and synchronous language like Java, C++, or .NET, whatever. And now we have other paradigms. Maybe some of them came from a very long time, like functional. But we have, for instance, asynchronous programming language like Node.js that makes a more scalable way to produce application. Also, another important change is about the statistics. We have all of our PCS, we have statistics about what happened in the past, and we present it to the users in a very nice report, but now we have to think in another way. We have to think what is going to happen. I think that in one of the last presentations, we're talking about the predictive. This is another important thing, that how we are going to introduce the predictive models in our PCSs. Of course, that we have been handling documents for a very long time, but now we have to deal with the documents and also with the information that came from the physical sensors. So we have to merge in our PCS the two worlds, the document, the digital world, and the physical world. Another change, for instance, is the waterfall project management. For a very long time, we have been using waterfall project management that says we have projects for, let's say, 1 year, 6 months, 2 months, and now we are using agile technology that means that we have to produce something feasible and productive in less than two months. So this is another change how we produce our application. Of course, we have been designing all the procedures thinking that the human is going to take
who is going to make the decision. And now we have to think that what is going to happen with the artificial intelligence, with the machine learning, how is going to change everything. We are going to lean back on the machine learning to make the decision. So that is another key concept and key challenge that we have to introduce. Of course, another important fact is that we have to forget thinking on our poor community. We have to think on the global, and the global supply chain. So we have to make all the technology available from end to end. It doesn't matter that our users are located in our poor community system or it's located in another part of the world. So that means, for instance, that our authentication services and authorization service should be more global than local that is right now. So this is a lot of challenge that we have right now. And I know that most of us, we have these challenges in our offices and we have to handle to see how we can apply these technologies in the today. Well, I was going to talk about the business model, but I think it's not the moment. Basically, my final remark is that this is a slide that makes that a technology enables new business. And I think this is a reality that we are going to see what's going to happen with the blockchain. Let's see if the blockchain is going to create new business. Who knows? I really don't know. I think that we are talking too much about the blockchain, but we are still to see how we can really apply it in a very effective way. Thank you so much. That's the end. I think that was really interesting, just listening around, sort of thinking globally and acting locally in the port community, because there's a lot of data available and you have to think differently in this world. And I think it's great that a lot of the PCSs are working that way in the network of trusted networks as well. So thanks for explaining that. Now we're going to hear from Dominique Le Breton from Marseille Gyptis International, MGI, around the continuous development of PCS. Perfect, thank you. Okay, thank you. I'm going to talk in French, if you don't mind. We are in Morocco, et je voudrais remercier premièrement nos amis marocains. On a une histoire commune à Marseille et le Maroc, et spécialement entre l'ANP Portnet et MGI. Et je voudrais les remercier chaleureusement de nous avoir donné l'occasion de pouvoir présenter ici aujourd'hui, et également thanks to IPCSA to allow us to speak today. Un petit témoignage, en fait, lorsque j'ai préparé cette présentation et parler après Javier est très intéressant, parce que je vais vous présenter, en fait, et je vais vous faire un témoignage aujourd'hui de ce qu'on a réalisé sur le port de Marseille-Fos et les différentes technologies que Javier vient de mettre en avant, les technologies de microservices, les technologies de cloud, comment pratiquement on a mis en œuvre au sein de notre société pour développer notre nouveau système qu'on a baptisé CI5 ou CI5 en anglais, pour Cargo Intelligent 5. Nous parlons de Cargo Community System, Port Community System, Single Window, et nous voulons mettre ici, et je vous présenterai pourquoi, le concept de cargo, de système de cargo, de gestion de la marchandise intelligent. Juste un petit slide pour vous présenter qui on est. MGI, c'est une PME de 40 personnes, en fait. On équipe 13 communautés portuaires. On a plus de 3500 utilisateurs en France et en Outre-mer. Et on est expert en Cargo Community System. Alors, ce qui est intéressant, et vous le voyez, 1989, on est né. Certains d'entre nous reconnaîtront ces écrans. Les plus jeunes d'entre nous ne connaissent même pas à quoi ressemblait l'informatique à l'époque. Voilà ce terminal, on est né du système Protis dans les années 80, et dans les années 80, on était vraiment sur la computerisation. Comment
faire en sorte de rendre du papier à l'intérieur de l'informatique. Et juste un ABAC à vous donner, on mettait grosso modo un jour pour dédouaner la marchandise. La deuxième génération de Cargo Community System ou de Port Community System qu'on a mis sur le marché, en 2005, c'était vraiment l'intégration et l'interopérabilité des différents systèmes d'information autour d'un même système d'information, avec bien évidemment dans les années 2000 l'arrivée d'Internet et la généralisation d'Internet. Et vous le voyez, le lien avec les systèmes douaniers a fait qu'on a gagné 45 minutes, plus que ça, on était à moins de 5 minutes. Le lien entre la déclaration en douane et la sortie de la marchandise dans nos systèmes, c'est moins de 5 minutes. Et on arrive dans les années 2018, on est vraiment sur des systèmes d'information qui permettent, et c'est nos clients qui nous le demandent, comment de l'information que vous capturez dans vos systèmes d'information arriver à un système d'aide à la décision. Voilà, c'est aujourd'hui le gros de notre activité, c'est comment faire en sorte que l'information que vous capturez dans vos systèmes d'information arrive à générer de la valeur. Alors, on est tous des maritimistes ou on intervient tous au sein de la logistique. On est dans un système complexe, dans un environnement complexe. Et comment faire de cet environnement complexe? Donc, moi, j'ai vu des chiffres assez éloquents de la part de Portnet, plus de 36 000 exportateurs. Comment faire que ces 30 000 exportateurs aient le même niveau d'information, travaillent dans des procédures qui sont complexes dans notre monde maritime pour faire en sorte que nos ports soient plus compétitifs et que la marchandise transite le plus vite possible au sein de nos zones logistiques. Les questions que se posent les ports, vous les avez ici, c'est comment gagner en compétitivité dans nos ports, comment faire en sorte que la marchandise aille de plus en plus vite, comment capturer l'information et redistribuer l'information sur la traçabilité de la marchandise. Nous, on a un rêve chez MGI, c'est de capturer l'information de door-to-door et de donner de l'information à la marchandise, où qu'elle soit, à nos clients. Donc on a un système complexe, on est dans un monde complexe et nos systèmes permettent justement, et tous autour de la table et au sein de l'IPCSA, on travaille fortement pour faire en sorte de témoigner et de dire comment vous avez adressé une problématique particulière autour de la connexion de ces 15 ou une vingtaine de métiers qui ont des problématiques très différentes, qui de la douane veut de plus en plus de contrôle et contrôler la sûreté et la sécurité des biens et des citoyens lorsque la marchandise arrive. Et d'un autre côté, on est poussé par le commerce, le business, qui veut que la marchandise soit livrée le plus vite possible. C'est ce que nous faisons au quotidien. Et une réponse peut-être à une question qui se posait tout à l'heure, c'était de dire, on a plusieurs guichets uniques portuaires, on a le guichet unique douanier, on a le guichet unique professionnel. Peut-être que la réponse, et c'est un point d'interrogation que je mets ici, c'est que le guichet unique, c'est la concaténation des différents rôles et des différents systèmes d'information. De guichets uniques douaniers, de guichets uniques de professionnels de la logistique et d'un guichet unique qui vise à relier la douane. Voilà, c'est la vision qu'on a en France du guichet unique portuaire, c'est de relier en fait ces différentes composantes, les autorités portuaires, les professionnels, la douane bien évidemment et les différents partenaires qui opèrent le transport. Alors la vision qu'on a quand on a développé nous notre système, c'était de répondre à ces quatre questions. Répondre à des questions de visibilité, de prédictibilité sur la marchandise, comment faire en sorte de donner par anticipation l'information aux professionnels portuaires, mais aussi aux autorités de contrôle. Comment faire en sorte d'avoir un système et des informations qui soient très fiables, et comment sécuriser les marchandises et sécuriser les informations qui sont détenues dans notre système pour avoir un objectif d'avoir une supply chain encore plus performante et encore plus efficiente.
Alors, on dit qu'on est plus qu'un cargo community system et plus qu'un port community system. On veut connecter des supply chains à travers un système qui donne plus de fluidité. On a mis dans notre système, eh bien, on en a parlé, voilà, de l'IoT, du big data, de l'intelligence artificielle, de la géolocalisation. On a des technologies aujourd'hui qui sont utilisées par les transporteurs routiers qui permettent de donner, de définir une zone géographique particulière. Et lorsque le transporteur se présente dans cette zone délimitée, pouvoir envoyer l'information comme quoi le transporteur est à 1 heure, 2 heures, 3 heures de nos quais et assurer en fait la prévision d'arrivée de la marchandise. Et pour rebondir sur ce que disait Javier, et on est en phase avec ceci, on est sur la partie droite, sur votre partie droite de l'écran, sur une architecture utilisant des architectures open source, utilisant le cloud, utilisant des méthodes de développement agile pour permettre de développer le plus rapidement possible nos technologies, et on a utilisé les technologies des GAFA. On a basé 5 principes d'innovation qui sont être tourné vers l'utilisateur. Qui de mieux que l'utilisateur peut nous guider pour développer un système d'information intelligent? Le monitoring de l'activité, comment donner à l'utilisateur en une seule planche la visibilité sur les opérations à venir. La fast lane, ça rejoint ce que disait monsieur sur la partie douanière, c'est comment donner une green line à une remorque, à un conteneur, tout en sachant que la douane va cibler de manière plus précise ces informations, ces contrôles a posteriori. Une forte interopérabilité et bien évidemment comment valoriser de plus en plus les données qui sont intégrées dans notre système. Le périmètre fonctionnel, je vais passer rapidement, c'est la partie du guichet unique. On gère dans nos systèmes une partie transport, une partie de la gestion de la marchandise, une partie douanière et bien évidemment pour permettre de donner de l'information de tracking et de tracing aux utilisateurs, la connexion très forte aux opérateurs de terminaux. Avec un certain nombre d'innovations qui sont intégrées au système. Je vais passer rapidement. Voilà. Et juste pour donner quelques éléments de prospective qu'on a, nous, devant nous, et on en a parlé, parler de geofencing, parler de smart container, comment capturer l'information non plus aujourd'hui d'une organisation et d'une personne qui va saisir l'information directement dans le système ou par EDI, mais comment capturer l'information directement par un conteneur intelligent qui donnerait sa position GPS, qui donnerait la température, ses plombs. On a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Oui, c'est un sujet et on a devant nous une dizaine d'années et c'est aujourd'hui où ça se décante. C'est comment prédire. On a un projet chez MGI qu'on a baptisé Channel 5 qui met l'intelligence artificielle au sein du processus des opérateurs de terminaux. C'est comment déterminer quel sera l'état de mon port demain en fonction de ce qui s'est passé sur les années et un historique des années passées. C'est avec un certain nombre de capteurs, des capteurs qui sont des capteurs organisationnels. Est-ce que mon portique va être en maintenance? Est-ce que j'ai un système d'information qui va être en maintenance? Est-ce que j'ai un pic d'activité qui est lié à une congestion sur la route? Et de déterminer quelle va être la météo du port demain. Voilà. Et on a une croyance forte chez MGI, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes d'information doivent se tourner sur la capture de la donnée de n'importe quel endroit où elle se trouve. La donnée vient d'une machine, la capturer dans nos systèmes d'information. Elle vient d'un humain, la capturer dans notre système d'information. Et c'est ça qui rend nos systèmes d'information intelligents. Et c'est pourquoi on pense qu'on va passer, on va voir dans les années à venir, on va passer de port au cargo community system à des systèmes qui mettent l'intelligence
et c'était le cadre du colloque aujourd'hui, c'est l'intelligence communautaire, c'est comment faire en sorte de passer de cette thématique du porte-cargo et de la communauté à un système intelligent de gestion portuaire et de la marchandise. Je vous remercie de votre attention. Thank you. It's very interesting. It's clear there's a lot of touch points when you're dealing with a PCS and their users. And we always think of good software always evolves. It's never finished. And I think PCSs are a fantastic example of that. So it sounds a very interesting journey, as we spoke about earlier today. So the next speaker, Ana Navarro from the Port of Tarragona. She's been doing a study on trends in technology, many of which we've been hearing from. So we'll look forward to welcoming Ana onto the stage. Thank you. Yeah. Thank you, David. Presentation. Okay, yeah. I'm very happy and also nervous to be here. Thank you very much, IPCSA and Portnet, for giving me the opportunity to be in this great conference. For those of you that doesn't know me, I work since 2013 for the Port of Tarragona as an IT project manager. And this year, I just finished my master's studies in IT management, and as a final thesis, I did a study about the Port 4.0. And this is what I will try to share, the main findings of this study today with you. For those of you who doesn't know Tarragona, we are a small Mediterranean city near Barcelona, and we have a great and very important Roman heritage, because in the Roman times we were an important capital of the Roman Empire. The Port of Tarragona, it's located in the northeast of Spain. Last year we moved 33.5 million tons, and our most important traffic is liquid bulk, but we also manage containers, dry bulk, and we also have cruises. So if any time you want to visit our beautiful city, you know that this is also an option for you to visit the city. This big concept, the fourth industrial revolution, when I was thinking about what will be the subject of my study for the thesis, I was hearing a lot about this fourth industrial revolution, the industry port for industry 4.0, automation, digitization, and I was curious about what will happen with ports. So if we go through all the industrial revolutions through ports, we see that in the first industrial revolution with the steel machine, we started receiving in our ports steel ships. In the second industrial revolution with the mass production, there was an important increase in the infrastructure in order to receive more goods through our ports. In the third industrial revolution, with the use of computers, also internet, we were able to automate individual processes and tasks. And with this, we improved, we increased also the efficiency of our ports. So what about the fourth industrial revolutions in the ports? We've seen that in all the industrial revolutions, it has been all the changes conducted by technology, so which will be these technologies that will conduct this fourth industrial revolution in ports. A brief introduction to the study, how I did it. First, I identified 12 emerging technologies that could apply in port.
Then I did a Port 4.0 survey, consulting international experts in ports. And finally, I draw some. I made an analysis of all this information I obtained. I draw some and draw some final conclusions. The 12 emerging technologies that I did some research in the study are drones, autonomous vehicles, Hyperloop, Internet of Things, 3D printing, blockchain, robots, augmented reality, virtual reality, 5G, big data, and also machine learning. During the all the research, I used the famous hype cycle of Gartner for emerging technologies in order to identify these emerging technologies, when were they going to reach the plateau of productivity. And with this, I identified these main three tech waves in which some of these technologies will reach their maturity. Regarding the survey, we made three questions about the future of these technologies in ports and also the current uses. We obtained 25 answers from the IPCS members that were consulted. You can see all of them here in the screen. This represented 17 countries that were represented in the answers. So for me, it was a total success, and I really thank you all, those of you who took the time to answer it. It was of great value for the study. So let's see the results. The first question was about which of these emerging technologies did the expert think that will apply or have something to do in the ports of the future. The results were that more than 50% of the experts responded that these six emerging technologies will for sure be in the ports of the future. These are drones, autonomous vehicles, Internet of Things, blockchain, 5G, and big data. I have to say that I was surprised that 5G came out in this survey. But at the end of the presentation, we will see that this technology makes a lot of sense for all the ports of the future. Then I also asked about the impact of these technologies, and the results were more or less the same, but we also had robots and machine learning in the results. And finally, I asked if the person answering the survey knew if any of these 12 technologies was currently being used in any of ports that they knew of. And the results were that the most currently used is big data, followed by autonomous vehicles, Internet of Things, and blockchain. So okay, let's take a look to these emerging technologies. I selected the six more important that came out from the survey, which are drones, Internet of Things, big data, 5G, blockchain, and autonomous vehicles. And we'll see some examples of how other industries are applying these technologies in some use cases and also pilots. Let's start with the autonomous vehicles, these vehicles with no pilot. Volvo is doing pilots with autonomous trucks, but also Google and Tesla. And also Rolls-Royce is prototyping these autonomous ships, in which several weeks ago, I was in Rotterdam, and in Rotterdam, they announced that for 2025, they are preparing for these ships to arrive to their port. Also, drones. We have the example of Amazon. Amazon is with the Prime Air in its pilot. They are testing the delivery of packages to their clients via drones. So this may come to our ports someday, we don't know. And also we have this small port in Spain, Avilés, the port of Avilés, that is using drones for controlling and inspection tasks.
the Internet of Things, everything connected. In the past IoT World Congress that was held in Barcelona, DHL presented this use case that they are using IoT for this warehouse in which this technology has improved the efficiency of the warehouse 10%. Moving on to blockchain, we are all talking about blockchain. I will only highlight this example of use of the most famous Bitcoin, the cryptocurrency that currently is working. Big data for managing all this high volume of data from different sources. And for this, I will use an electrical company in Spain called Hola Luz, that in their website, they explain that they use big data for analyzing all the consumption information from their customers in order to provide a better services to them. So it's nice to see a company sharing this information because it's really difficult. And then the final technology, 5G, the next generation mobile network. The port of Rotterdam has deployed a pilot of this technology for starting pilots in this industry with this technology. I think it's a good example of how important this technology will be in ports. So the final conclusions of all this information, we've been talking about all these technologies. I really think that for the ports of the future and the fourth industrial revolution, all these technologies, they make a lot of sense all working together. We have IoT, autonomous vehicles and drones, that these technologies will provide high volume of data that will have to be processed. And 5G will help to connect and exchange all this information and data between all the different parts and also agents. Then blockchain will help to secure these transactions of information between the different agents. And finally, big data that will help to manage all this high volume of information and also provide it with intelligence. So going back to the beginning of the presentation, the first industrial revolution, the second and the third. So what about the fourth industrial revolution in ports? It will mean a full digitalization of the port, and also all these technologies working together with drones providing a new space for ports to use. It will allow ports also to increase the capacity for moving goods through the ports, and also the opportunity to create new business models for ports. I want to give a special thank you to Hans and Richard for their support and help during the whole study. Without them, I couldn't have done it. And I want to take two quotes from the famous film. No matter what the future brings, we'll always have ports. Thank you. That was great, Anna. Thank you. I think it was a really good overview of the technologies that are emerging and being used in the ports today. What I found really interesting was the ones that are kind of on everybody's minds. And then it's almost a semi-reverse order for the ones that they're actually using within the ports today. But I think the technologies that you've talked about, we've heard a lot about today. So it's very sort of inherent that everybody's got high interest. So we'll expect some questions on those ones in particular. The next speaker is Philippe Guermont from the Port of Marseille. So I'd just like to welcome Philippe. Thank you.
Assalamu alaikum, bonjour, good morning. Malheureusement, je ne parle pas arabe et mon anglais est très mauvais, donc je vais conserver ma langue natale. J'ai le français, j'ai la difficile tâche de retenir toute votre attention juste avant l'heure du déjeuner qui est proche. Je vais essayer de faire ça. Je voudrais remercier l'organisation et toutes les personnes en charge de cette conférence qui est une véritable réussite de m'avoir invité, moi et ma double casquette, puisque je travaille pour le port de Marseille en tant que chargé des projets internationaux et européens, mais aussi j'ai eu le plaisir d'être le secrétaire général de l'Association des ports de Méditerranée, qui regroupe depuis le 27 juin dernier, c'est tout nouveau, 20 ports de Méditerranée. Et bientôt, j'espère, l'Agence nationale des ports, puisque j'ai eu le plaisir de déjeuner avec Madame Larraqui, et je crois que nos échanges ont été très fructueux. Voilà pour les propos liminaires. Je suis très impressionné d'être entouré d'autant d'experts du sujet, de la single windows et des blockchains et autres choses comme ça, car je crois que ma connaissance en termes d'informatique s'est arrêtée aux images qu'a montré Dominique tout à l'heure avec l'ordinateur en 1985. Bon, même si je ne sais pas trop tout ce qui se passe à l'intérieur, je comprends tout l'intérêt. Et étant généraliste, je sais qu'il est essentiel pour notre compétitivité, les ports et notre région euro-méditerranéenne, africaine, euro-méditerranéenne, tout l'intérêt de développer ce type d'outils. Je vous disais que j'avais une double casquette et j'aurais presque la prétention de dire que cette double casquette peut résumer finalement ce que nous devons faire tous en termes de single windows, c'est-à-dire une sorte de tension ou de passage permanent entre finalement l'individu ou l'individualisme ou notre singularité en tant que port et collectif. En quelque sorte, et pour le dire peut-être mieux, comment je fais pour accroître la compétitivité de mon port, tout en sachant que celle-ci va dépendre finalement de la réussite collective et, s'agissant du port de Marseille-Fos, de la réussite collective de la région euro-méditerranéenne. Voilà pour ce petit propos introductif. Alors, hier, nous avons parlé dans une session, là encore, qui est arrivée très tard, de la compétitivité des entreprises. Et il y a la compétitivité des entreprises, mais il y a aussi la compétitivité des ports. Et les port community systems, les cargo community systems sont des éléments structurants, essentiels pour notre compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de faire disparaître les ports. Et un port est efficace quand il n'existe pas, si je provoque un petit peu. Plus les chargeurs, les exportateurs, les importateurs ne passent pas de temps sur notre port, plus on a réussi finalement ce que nous devons faire. Et tous les outils qui sont développés et présentés depuis hier sont responsables de cela. Donc ça, c'est le premier point. Donc encore une fois, je parle de mon port ici, mais je vais parler aussi de l'ensemble, du collectif, puisque finalement, on sait très bien que le développement des échanges entre les différents ports, mais aussi entre les différents consommateurs, producteurs, exportateurs, importateurs, va dépendre finalement de la communication entre tous ces systèmes. Et donc, nous devons travailler collectivement à la communication entre ces différents systèmes. Et c'est pour ça qu'au sein justement de l'Association des ports de Méditerranée, la Single Windows, le développement des communications entre les différents systèmes va être un des éléments clés de notre plan d'action de 2019. Donc, comme vous voyez, ma double casquette fait que j'utilise le Single Windows ou en tout cas je parle ou je dois travailler autour de Single Window à la fois dans mon port mais aussi à travers tous les ports de Méditerranée. Je m'arrête là pour ces propos liminaires et je voudrais rentrer dans ce qui m'amène là encore pour le port de Marseille, c'est la présentation du Neptune Port qui est le Port Community System dédié. On a eu une présentation ce matin très claire, en tout cas pour moi, sur la différence entre les systèmes qui concernaient les cargos et les systèmes qui concernaient les ports. Ici, on va parler du Neptune Port, qui est le système qui va parler de l'escale, finalement, du navire. Toutes les informations dont tous les acteurs ont besoin autour de l'escale. Quand l'escale arrive, quand le navire arrive, qu'est-ce qu'il contient, etc., etc. Vous le savez mieux que moi. Et finalement, je vais résumer l'approche de Neptune Port avec quatre lettres
quatre lettres qui sont une référence tout à fait absolument respectueuse pour Son Altesse Royale Mohamed VI, puisque ces quatre lettres seront SIR. Alors SIR, le C, même si c'est une petite faute d'orthographe, ça va être la coopération. Coopération puisque Neptune Port va résumer finalement les informations dont ont besoin les compagnies maritimes, les armateurs, les agents maritimes, les transitaires, les stewards, les douanes, la police, les différents ministères, blablabla, blablabla, blablabla. Coopération et j'allais dire compétitivité aussi. Le I va être l'intelligence, on en a parlé avec monsieur hier longuement, plus on est sachant, plus on va être intelligent. Et donc ce système Neptune Port va permettre de rassembler l'ensemble des informations pour nous rendre plus intelligents. Le R va être la réactivité. On va avoir des données en temps réel, là aussi on en a parlé hier, et donc on va pouvoir adapter nos stratégies très rapidement ou adapter nos décisions. Plus on sait, mieux on est réactif, et en utilisant un mot anglais, reliability, donc on va avoir des informations qui sont de plus en plus sûres, en fait, grâce à ce système Neptune Port. Et le E, pour finir cette approche, développement durable, environnement, bien sûr, puisque ce sont des systèmes qui conduisent à finalement utiliser zéro papier et donc à réduire finalement l'empreinte carbone de tout ce qui est passage portuaire. Voici ces quatre lettres, donc SIR, cette approche de Neptune Port, et je vous propose maintenant de voir ça en image avec un petit film de présentation de ce système. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à la fin de ce film à poser des questions si vous en avez le plaisir, bien sûr. Merci. L'application Neptune Port s'adapte à leurs spécificités logistiques grâce à cette technologie modulaire. Vos opérations nautiques et logistiques sont à la fois sécurisées, performantes et fluides. De plus, l'information est tracée et peut à tout moment être consultée. Sa technologie modulaire permet la maîtrise de la logistique nautique et marchandises, de la sûreté et sécurité, et enfin la maîtrise des flux financiers. L'ensemble des procédures administratives a été dématérialisé et le système de guichet unique permet une transparence auprès de tous les acteurs portuaires. Il offre également la possibilité de coordonner les systèmes privatifs de l'ensemble des professionnels et de les connecter directement avec le port. Neptune Port prépare et recueille toutes les informations de facturation de services, de droits de port et de marchandises, et les transmet pour facturation. Le système assure la gestion et le suivi opérationnel de l'escale en interface avec le radar VTMIS, le contrôle des rades depuis l'arrivée jusqu'au départ du navire, tout en étant conforme aux normes internationales et aux règles de l'Organisation maritime internationale. Le système gère l'ensemble des référentiels du port, les manifestes marchandises et passagers, ainsi que la gestion des déchets et collecteurs. Ces données sont ensuite envoyées automatiquement à un organisme national. Neptune Port applique la réglementation en termes de référentiel des matières dangereuses à l'ensemble des acteurs portuaires. Le système accompagne l'ensemble des professionnels tout au long du cycle d'import-export dans une totale sécurité des biens et personnes. Neptune Port vous permet de contrôler l'accès au domaine portuaire via une carte électronique. Cette carte multizone permet de fédérer diverses autorisations d'accès, que ce soit un espace public ou un espace privatisé par les opérateurs de terminaux. Neptune Port agrège les informations recueillies afin de vous fournir une base de données fiable et conforme à la réglementation en vigueur. Il permet de répondre aux obligations d'envoi de statistiques des ports, telles qu'Eurostat. Les statistiques permettent d'analyser les flux et activités du port pour établir la stratégie de gestion et d'investissement, d'établir les KPI, d'extraire les statistiques à envoyer au niveau national ou international. Neptune Port est un système global couvrant toutes les fonctions de l'autorité portuaire pour un port moderne et efficace. Le transfert de compétences est garanti, permettant une meilleure appropriation du système et la pérennisation de son utilisation. Les services d'accompagnement nécessaires au déploiement de Neptune Port sont confortés par les prestations de l'Institut de formation aux métiers portuaires du port de Marseille-Fos. Thank you, Philippe. It's very interesting to find out Neptune Port's approach. So I think we've had some very interesting topics covered today. I made a note really of some of the things that are key words really that stood out for me. It was IoT, big data, AI, trust, neutrality.
the other B word that follows me around, which is blockchain. And also, what's really key with all of this to tie it together, we need very good quality data. We need that accurate data from source. We've heard from everybody this morning session and this panel session as well. We need to get to that accurate point and get that accurate information into these systems so we can do something very useful with it and be more efficient, essentially. So what I'd like to do now is firstly thank the speakers for your presentations and time this morning. But I'd also like to open up the floor to questions. I'm sure, given the topics and the relevance, it'd be very interesting to gather some questions from the audience, please. There's a question at the back. Do you want to raise your hand again, sorry, so they can bring the microphone? No? Lance, would you like to ask a question? Thanks, David. So I'll open up the floor. Maybe that'll bring some other questions as well. Very interesting presentations. Thank you very much. And very good look at the new technologies that were coming in. Mrs. Navarro, sorry, had shown in one of her slides links with airports, and I was wondering if you've been looking as well as the links with multimodal transport, the road, rail, or air, and how it relates back to port community systems and the technologies that will imply. To any of you, maybe Ms. Navarro or. Or Javier, sorry. I think, Anna, just in relation to the technologies, do they apply to airports as well as seaports? I think that's probably where Lance is coming from. Maybe I can answer this for you, Lance. Just a testimony that 5 years ago, I think, in the Caribbean, in fact, our customers who were using the port community system ask us to deploy the system in the airport area. So that's what we did. We try to make a ship flying, if I can say it like this. With the difficulty we have is that in the air transportation, you mostly use the documentation as tracking and tracing of the goods, rather than in the maritime industry, you follow the box or on the lorry. But and I think it's IPCSA. We are working also to deploy and to interchange between us how we can also deploy kind of system in the airport area. So there is some initiatives in Dutchland. I think Evelyn can test. Have testimony on it also, and some of us deployed the what we cannot name PCS because the P is a port, so it's a APCS, Airport Community System. So there is some initiatives on this. Richard? Yeah, just to follow on from that, probably from an IPSCA perspective, well over 50% of our members deal with airports in some way or other. We always get the situation where the airports say we're different. Now, actually, the processes for customs are the same. Gate in, gate out, the processes are all very similar. You have to adjust them slightly. In air, they have the advantage they have IATA with a full data standards. However, the average delay in an airport is between 1 and 2 days at each airport to get cargo through. So actually the air industry is learning from the maritime industry in terms of how to exchange data. We still have aircraft in the world landing with paper manifests. So you only know what's on the plane when it arrives. And for safety and security reasons, that's not an ideal situation. So we have to recognize that. So I think Stefan. Yeah,
Question over there, thank you. Stéphane Noll from Chencargo Systems. So we manage 300 million messages in the air cargo environment. So maybe I can elaborate a little bit. Indeed, there are similarities between air and maritime. I would say the biggest difference is the velocity of data. In air, we exchange much more volumes of data and at a higher rate of speed because airplanes, they fly very well, very quick, sorry. And now in terms of advanced filing, there are 56 countries in the world today where you do advanced filing. So this is a reality. Now more and more countries are looking at this to improve their, I forgot the name in English, le temps d'attente in the waiting time in airports. And at CHAMP, we take this, in fact, in a wider scope because we are very interested by what maritime is doing. Because at the end of the day, you don't care if it's maritime, road, rail. It's all about trade. And how do you cross the borders? So we have already advanced filing in 56 countries to conclude. So, and I'm not sure how much countries does advanced filing in maritime. So maybe an answer that you can answer, a question you can answer on your side. How many countries do advanced filing in maritime? Richard, do you... Richard? How many countries in terms of maritime do we have on side for advanced filing? Any ideas? No. Simply, but Evelyn is probably best. When it comes to advanced filing, of course, we have the import control system, which works for the European Union. And then we have the United States, Canada, Japan, Israel. And that is so far, to my knowledge, those countries who ask for advanced filing. And these countries, as far as I know, do it mostly for maritime. And whereas the European Union does it for air and sea as well. I think there's just China may be missing from that list. China recently this year. China started years ago. I think first I heard about it was 2008. I'm not sure whether it is up and running. Yeah, they brought it in earlier this year. CCAM caused a bit of disruption because I don't think the industry thought it was going to come in. Because they've been through multiple cycles, and then it came in. And as Stefan will probably know, I think air was the first casualty of goods arriving in the morning and not being released. Sea freight had a little bit more of a gestation to learn lessons from maybe the air freight industry. Have we got any other questions? There's a question just down the front there, please. Bonjour, je suis Jean-Pierre Benoît de la société Massotage. J'ai juste une petite question. On a peu abordé la gestion des risques autour de l'environnement portuaire et notamment tout ce qui touche à la sûreté. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une démarche à travers des procédures bien précises pour assurer la sécurité des hommes qui travaillent dans le port, de la marchandise qui circule, etc. Sachant que nous, dans notre démarche, on est très sensible à ça dans la norme ISO. Est-ce que vous pouvez nous préciser tous en tant qu'acteurs portuaires si vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses et de coûts, bien entendu? Merci. Thank you. Anyone on the panel like to answer? Some of these emerging technologies that I mentioned could help, I think, these security issues. For example, if you use virtual reality for training all the operators on the docks, managing in difficult situations, this could help them to not to have improvise in dangerous situations. So I think that with the emerging technologies, we have this opportunity to provide safer places for the people who is working in the ports. Also with augmented reality, with this information that it's overlapped to the reality, you could also use it for these means, with maybe dangerous goods, information that
if you get closer to this cargo, you will get hurt or something like this. But yeah, I think that we have a good future with these emerging technologies, but we should start working on them and taking the advantage of it. Recently, I saw with the new hype cycle of Gartner that virtual reality is not already in the hype cycle of this year. This means that this technology has already reached the plateau of productivity, so maybe this is one of the technologies that we could start working on in ports for improving the security of the people, the docks. Puisque nous sommes dans la sécurité, j'ai une question pour le port de Marseille, une question pour M. Jalal Benhayoun de Portnet. Puisque le guichet unique au niveau des ports, donc, c'est de la technologie, c'est de l'informatique, est-ce que nous au Maroc, donc, nous sommes après 4 ans donc, au début de notre expérience de guichet unique, par contre, le plan de continuité de l'activité en cas de panne informatique me pose des problèmes. C'est-à-dire, est-ce que le plan de continuité de l'activité existe, il est procéduré en cas de panne technique pour permettre à l'activité de continuer d'être traitée par les opérateurs. Merci. Et essayer de répondre à votre question, et peut-être que Dominique aura peut-être plus d'informations sur la technique pure de la partie technique de votre question. Je vais revenir juste très rapidement sur le propos de monsieur, juste pour dire qu'il y a deux niveaux de sécurité à la fois pour une autorité portuaire. Après, je reviens vers vous, monsieur. Pour une autorité portuaire, il y a la sécurité finalement physique, des passages des passagers justement et des marchandises. Donc ça fait depuis très longtemps que les autorités portuaires sont conscients de ces problématiques et œuvrent avec tout un ensemble de normes, ISPS, etc., etc. Et puis grâce aux outils qui sont développés ici, je pense ici particulièrement à Neptuneport, les informations sur la marchandise arrivent bien en amont des marchandises, les informations sur les passagers arrivent aussi bien en amont, et donc on peut plus facilement gérer un certain nombre de problèmes, comme les marchandises dangereuses, voir s'il y avait des passagers qui devaient nécessiter une rencontre avec les autorités publiques dans notre port. Voilà, donc ces systèmes-là nous permettent d'augmenter forcément, en plus de ce que vient de dire Anna, le niveau de sécurité et de sûreté dans nos ports. Et pour répondre à monsieur, et en laissant la parole à Dominique, les autorités portuaires veillent forcément à ce qu'il y ait une continuité de service au maximum, quelles que soient les pannes, quels que soient les blocages, quelles que soient les origines de ces pannes et des blocages, qu'elles soient humaines ou techniques. J'allais vous dire que tout est fait pour qu'il y ait des garde-fous qui nous permettent d'assurer ces flux en continu. Techniquement, Dominique aura sûrement quelque chose de plus intelligent que moi à dire, mais cela étant, on ne peut pas, compte tenu de l'ensemble des acteurs qui interviennent au moment d'un chargement, déchargement d'un navire ou d'une arrivée d'un navire, on ne peut pas, à mon avis, être à 100% d'assurance sur une continuité de service. Et malheureusement, je sais que c'est plus trop dans la culture moderne, mais il faut accepter ce risque-là, au moins en partie, quoi. Dominique ? Alors, moi, je vais vous répondre en vous faisant peut-être une réponse de Normand, je m'appelle Le Breton. C'est de dire qu'aujourd'hui, on l'a vécu, moi, je peux vous dire que depuis un mois, on a mis en place notre nouveau système. Les professionnels portuaires ne savent plus travailler sans système d'information. Ça, il faut s'attendre à ça. On le dit fortement. Nous, depuis 30 ans où on a mis notre premier système d'information, les professionnels portuaires ne savent plus utiliser de papier. Et c'est tant mieux, je dirais. Et la réponse à cette question, c'est on ne va pas revenir au papier.
qui à la douane aujourd'hui sait encore faire un état de codage sur papier? Non, tout se fait informatiquement. Au Maroc, vous avez Badre, vous n'utilisez plus de papier pour saisir votre déclaration en douane. Aujourd'hui, le sujet que vous mettez en avant, c'est comment les sociétés comme les nôtres, qui sont ici autour de la table, mettent en œuvre des procédures, alors techniques, qui vous garantissent un niveau de service, ce qu'on appelle les SLA dans nos systèmes, qui vous permettent l'accès au système à 99% du temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà le challenge, nous, de nos sociétés, et c'est ce que nous faisons de manière très performante, de manière très professionnelle, c'est on met ça en avant. Maintenant, vous dire qu'est-ce qui se passe quand le système, il peut y avoir un certain nombre de remontées d'informations, de maintenance, etc. Il y a des plans, en fait, des plans de contingence qui font qu'on doit avoir une procédure dégradée qui fait en sorte. Et c'est là aussi, et je reviens, je voyais tout à l'heure l'intelligence communautaire. C'est vraiment ça l'intelligence communautaire. Nous, à Marseille, quand on a mis en place notre système, moi, j'ai travaillé avec la douane pour leur dire que ça va être difficile. Il se peut qu'il y ait des déclarations en douane qui ne soient pas intégrées du premier coup, où on ait des anicroches. Comment on peut faire? Et c'est la souplesse des différents partenaires de la douane, de l'autorité portuaire, sur la gestion des marchandises, sur l'entrée avec les terminaux à conteneurs, sur l'entrée des marchandises, qui fait qu'on arrive à surmonter ce cas. Mais je suis d'accord avec vous, ce que vous mettez derrière, c'est que on ne se passe plus de nos systèmes d'information. C'est terminé. Oui, en fait, j'étais interpellé par mon ami Karim, qui n'est pas un portuaire, pour vous dire. C'est un banquier. C'est un banquier qui opère avec Portnet, juste pour dire que les systèmes aujourd'hui deviennent de plus en plus interdépendants. C'est ça le changement du paradigme. Ce n'est pas uniquement le passage en papier, mais c'est avec les guichets uniques, avec les Port Community System. L'information que vous récupérez avant de votre client directement vous vient d'un autre système. C'est-à-dire votre continuité d'activité dépend de la continuité de système, de continuité d'activité de toute la communauté. Et ça, c'est un exercice qui est très, très intéressant, qui a été fait à notre niveau avec toute la communauté. Même s'il est très compliqué, il va falloir... En fait, quand on parle de continuité, on ne parle pas de continuité de toutes les activités. Il faut d'abord répertorier les activités qui sont les plus critiques, les processus qui sont les plus critiques, et dont le délai d'indisponibilité est intolérable pour des clients. Donc c'est un travail, on a travaillé plusieurs années ensemble, rien que pour identifier les délais tolérables d'arrêt par rapport à chaque type de process, et de sortir avec les process, la liste des process, qui sont les plus critiques et sur lesquels on ne peut pas tolérer un délai d'attente ou un délai d'indisponibilité qui dépasse la demi-heure, qui dépasse l'heure, qui dépasse les 24 heures. Donc c'est une classification pour mettre en place les moyens nécessaires à répondre à chaque type de process en adéquation avec sa criticité. Mais le plus important, ce n'est pas ça, c'est la réflexion qui doit se faire en amont quand on réfléchit transformation digitale ou mise en place de systèmes de guichet unique. Cette question de continuité d'activité doit être traité dès le départ, dès la construction du système, avec la communauté et pas uniquement dans une logique technique. Il faut que les gens d'abord sachent que les process vont changer, que la douane sache que les données qu'il récupérait de la part de ses clients directement vont venir d'un autre système, et inclut dans son système de continuité d'activité la continuité d'activité communautaire. C'est ça le plus important. Et il faut que tout le monde se prépare en conséquence. Donc, on a parlé hier, on met tous les œufs dans le même panier, et on a toujours ce risque-là que si le panier tombe, tous les œufs vont se casser. Donc, si chacun de nous travaille sur sa continuité d'activité tout seul, ça ne va jamais fonctionner. Et c'est ça un petit peu la difficulté de la continuité d'activité communautaire. Any comments from the panel? Or I think it was quite well made. Any other questions from the audience? No? Okay, I've maybe just got one question, and I think out of the technologies that we've discussed today from hearing from Anna, there's six. I'll just recap to the whole panel because it's a general question. There was drones, autonomous vehicles, IoT, blockchain, 5G, and big data.
Which out of those six technologies do you feel would make the biggest impact in your own port or in ports in general? Anybody like to, or Anna, feel free to comment as well. I think it could be drones. Because it's the most disruptive one right now, and it gives the opportunity for ports to use an unused space in their area, and this could help for increasing all the capacity for moving goods in through the ports. So yes, I think it's this technology gives ports a great opportunity to improve their services and to increase. Okay, thank you. Have you? I think that Anna already said in her presentation, I think that it's difficult to choose, this is a political answer. It's difficult to choose one technology. I think that it's the combination of this bunch of technologies that makes the port can change and move and going forward. It's difficult to select and why to choose one. Yes, I think it's more a starting point, but you're exactly right. They're all very well interlinked and kind of the benefit will be from using all of them together as opposed to one individually. So I just wondered which was the shortest term impact. But and a final point really is from a port perspective, getting data in early from the hinterland, is that something that would make a big benefit to ports, port communities, if you could go into those systems? And is it something that you would like to push or pull in terms of the data or subscribe to? And how much of a benefit is the semantic language that sits underneath all of that, especially for interoperability? Philippe, please. Je vais répondre à votre question en répondant peut-être à la question aussi d'avant. Tous ces systèmes-là ne font que améliorer le passage portuaire, à la fois portuaire, mais aussi, comme vous le dites, vers l'Interland. C'est-à-dire que nous avons besoin de ces systèmes pour construire, en fait, des solutions logistiques. Les ports deviennent, en fait, de plus en plus des architectes de solutions logistiques, et nous avons besoin, nous, autorités portuaires, de ces systèmes-là efficients, efficaces et opérationnels pour pouvoir développer ou proposer, en fait, des nouvelles solutions logistiques. Mais je dois rappeler, hier, on avait eu encore une fois cette discussion-là, que quel que soit le zéro papier, quel que soit le système intelligent que vous allez mettre en place, la connexion, tout ce que vous voulez, il y a toujours un navire qui arrive avec des marchandises dessus, et des hommes, voire des machines qui les chargent ou déchargent. Et il faudra, nous, autorités portuaires, nous ne devons pas oublier cet aspect-là. Et ces marchandises seront mises sur des trains, et ces trains ne sont pas virtuels, ils existent encore physiquement. Et c'est tout le challenge de combiner finalement tous ces port community systems, tous ces cargo community systems, avec une réalité qui, elle, n'est pas blanche, qui est plutôt même très noire des fois, et où il y a du gaudron, du physique, de la poussière, etc. etc. Donc voilà pour répondre un petit peu à votre question. Essentiel, vital pour la compétitivité des ports, mais pas que, puisque nous avons aussi le besoin de manipuler ces marchandises aussi. Great, thank you. I think it's time to wrap up now. So, if you've got a ticket for lunch, it's going to be served upstairs shortly, and we need to be back in here for the afternoon session at 2 p.m. today. So thank you for your time, everybody. Thank you. Thank you.